Yo tout le monde, c'est Dalgaming et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online où on va découvrir le nouveau bâtiment en rapport avec, si je peux sortir d'ici, le bâtiment en rapport avec le nouveau DLC Drug War. Alors là on va découvrir le bâtiment, c'est parti. Il va sûrement avoir une petite cinématique ou un truc comme ça. Et là je vois qu'il y a trois emplacements pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Il y en a une un peu plus loin. Et le point jaune qui est là, c'est pour faire les autres missions. Alors, on va seulement découvrir dans cette vidéo le bâtiment et dans les autres vidéos, on va découvrir les nouvelles missions et tout. Et dans d'autres vidéos, oui, on va découvrir toutes les nouvelles voitures. Ils sont déjà achetés, mais on va les custom et les tester. Alors, sans plus tarder, j'ai dit sans plus tarder que c'est beau. Ce qui est vraiment cool. Ah, ok, je pensais que c'était... Comment je pensais qu'elle allait avoir comme une cinématique, comme un vrai business, quoi. Ok, notre truc est là, c'est bon. J'imagine si on va parler au nom Gugus, il va avoir une cinématique. Et écoute, on va faire le tour de Fontaincombe. On est là pour découvrir ce bâtiment. Et oui, ce bâtiment ici est gratuit, ce qui est vraiment cool. Et pour le débloquer, il faut... Attends, je regarde quelque chose, ok. Pour débloquer ce bâtiment qui est gratuit, il faut terminer la première mission du DLC que vous allez retrouver à Sandy Shore sur la map, le Air de Run. Ensuite, la mission vous transporte directement ici et c'est ici que ça se continue. Alors, on va faire le tour vite fait, c'est quand même stylé. Ça, ça va être... sûrement ici qu'on va peut-être fabriquer des trucs ou je sais pas. C'est sûr, les missions qui ont rapport avec le DLC, on va toutes les tester. Ok. Ça veut dire qu'on va pouvoir custom le véhicule. L'améliorer, je crois que oui. Peut-être notre véhicule, parce que j'ai acheté la caravane de Breaking Bad. C'est pas celle-là, je crois. Maintenant, je l'ai vraiment acheté. Donc, on va pouvoir sûrement rentrer notre véhicule ici. Alors. Ça, c'est. Ok. Ah oui, de... Wow! J'avais pas tout vu. Les fresques, wow! Des étagères. L'entrepôt est très bien fait, mais elle a foutrement grande, wow! Ah oui, attendez, je vais me mettre... Ah! Quand même! Ah, l'œil du... C'est pas un easter egg pour le mochiliade ou je sais plus trop quoi. Le truc avec le triangle. 1, 2, 3, bon. Là, il y a une porte, c'est pour sortir dehors ou on rentre à quelque part. Sortir, que c'est beau, non. Hi. Oh, non, je veux pas. Je veux pas m'approcher parce que je pense qu'il va y avoir une cinématique qui va se déclencher puis je vais faire le tour avant. Welcome to the freak show. Ah, on a un arcade. Ah oui, putain, c'est dégueulasse. C'est quoi ce bordel? Pour jouer à Saint de l'espace 3, une banane dans le potage. Savez-vous quoi? J'ai envie d'essayer une partie et on va finir de découvrir l'entrepôt après ça. Quoi? Tant qu'à s'amuser. Manger 5 jours pour nutrition, for nutrition, ok. Ah, c'est stylé. Quitter, je crois, il faut maintenir. C'est ça, oui, faut maintenir B jusqu'au bout. Press start. Ah, c'est wow. C'est cool de pouvoir jouer à des arcades. Bon. Ok, c'est bon. Press start. C'est quoi qu'il faut faire, putain? Ah, c'est un. Oh wow! Oh là là! Oh nice! Ok, c'est bon! Ah, des bâtards, ils tirent! Non, 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 non! Wow, 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 wow! Ah, une vie! On était déjà full! Oh, wow, 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 non, 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 non! Ah, je suis deg! On s'est pris une branlée! On est mort! Bon, bah écoute, c'était seulement pour découvrir le petit jeu d'arcade, c'est vraiment stylé. Rockstar se sont surpassés pour ce DLC. Je l'ai mentionné dans l'autre vidéo qu'on a faite tout juste avant celle-ci. Vous pouvez aller voir celle qu'on a fait hier.
de DLC. C'était quoi déjà? C'était avec l'émission, là. C'était quoi déjà? L'agent ULP, oui. J'ai pas trop kiffé le DLC parce que, tu sais, il n'y avait pas de nouveau bâtiment et tout. Ça manquait un peu de trucs, quoi. Les missions en tant que telles sont bien, mais ça manquait un peu de trucs. Ok, ça va être un petit coin d'état. On a-tu des... Oh, on peut jouer au fléchette. Boire du whisky. Les caméras. On peut jouer au fléchette. Bon, bon, on va aller parler à nos curieux. Yo! Right here. Wow, too close. What's up? Comment qu'on fait pour... Est-ce que... Huh? Est-ce qu'on peut améliorer... L'améliorer ou le nettoyer un peu, changer un peu l'intérieur? C'est à lui qu'il faut parler? Peut-être que c'est comme ça aussi, hein? Ça se peut que ça soit comme ça et que ça soit... ça se change pas. Ça se peut très bien. Ah, c'est quoi ça? Le jukebox. Ah, ok, les chiottes sont ici. Oui, ça se peut que ça soit ça, quoi. Bon. Until next time. Later. Good shit. Ah, l'atelier... Atelier d'armes, c'est ça, oui. On a un atelier d'armes gratuitement. Ok, ça c'est nice. Bon, eh bien, écoutez, on a fait le tour du Freak Shop. C'est vraiment stylé. Je pensais qu'on pouvait peut-être changer l'intérieur ou comme nos business, quoi. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. On l'a découvert. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver, oui, pour d'autres vidéos sur de nouveaux DLC. Et moi, je vous dis à la prochaine. We'll be right back.